fais partie de cette team qui m'a été proposée par Augustin d'avoir quelques infos sur lui. Donc tout d'abord, d'où vient ton pseudo? Ah ben en fait, j'étais sur YouTube, je suis tombé sur un YouTuber qui faisait des vidéos. Donc yo les gens, c'est moi Scarf pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo je vous présente Link. Enfin, Link. Bonjour. Voilà, donc je vais tout d'abord te demander comme question, donc tu vas nous dire d'où vient ton pseudo. Alors mon pseudo vient du jeu Zelda, tout simplement, donc parce que étant jeune, plus jeune, un de mes premiers jeux, enfin pas un de mes premiers jeux vidéo, mais un des premiers jeux vidéo que j'ai bien geeké dessus, c'était Zelda. Voilà, tout simplement, c'est rien de là. Et puis Link, normalement, c'est avec un I, mais j'ai pris Y parce que ça fait mieux. Et voilà, tout simplement. Tu vas nous dire que propose ta chaîne? Donc, ma chaîne propose un peu de tout, donc du Minecraft, du Call of Duty, du WarZ. En fin d'année, je compte m'acheter un nouveau PC, donc forcément, j'aurai un peu plus parce que mon PC actuellement est pas très puissant, donc. Forcément, je peux pas trop filmer WarZ parce que sinon je bug comme un gros porc. Et donc voilà, je propose des vidéos. Bah, de toute façon, il y a les. Si je m'achète la 720, bah, je vous proposerai des vidéos dessus et tout ça, quoi. Et sur les jeux qui vont sortir et tout ça et tout ça. Parce que j'ai un. Voilà. Bon, de toute façon, ça va venir à la prochaine question. Ouais, voilà. Donc comme tu l'as dit, bah, tu vas nous dire sur quelle plateforme tu comptes. Enfin, pas que tu comptes, mais tu joues. Donc bah je joue sur PC, sur Xbox et sur PS3, donc les trois grosses plateformes. Après bon il y a sur Wii, mais bon je voilà, c'est un Mario Kart de temps en temps pour se détendre et puis bah voilà. Donc tu veux nous dire si tu as un idole? Donc j'ai Bismuth 3. Je ne sais pas si tu connais, si, canadien. Si. Ouais. Bah Bismuth 3 voilà. Ok, tu vas nous dire tu vas nous dire quels sont tes moments préférés sur YouTube? Eh bien, mes moments préférés, c'est quand on me remercie d'avoir fait une vidéo, de l'avoir bien réalisée, etc. C'est les commentaires de remerciement, en quelque sorte, et d'encouragement, de félicitations. C'est un bon encouragement. Bah, c'est encourageant, et puis ça fait toujours plaisir, quoi. Ça fait vraiment plaisir quand il y a quelqu'un qui laisse un commentaire. Ouais. Trop bien ta vidéo, continue comme ça, etc., etc., quoi. Ok, tu vas nous dire si tu as une saga préférée? Donc, pas vraiment, non. À part Halo, que j'ai vraiment accroché sur Xbox, je sais pas si tu connais. Si, ouais. Bah ouais, bah Halo, parce que bon, à la base, j'étais joueur PS3, mais j'ai acheté la Xbox pour Halo, en fait. Et puis bah voilà, puis après sinon vraiment bah Halo en fait j'aime de moins en moins, je joue plus sur Call of Duty là, vraiment une de mes préférées ça va être Call of. Ok, tu vas nous dire quel est ton matériel pour proposer des vidéos? Donc sur PC bah ça va être Fraps pour Record, je pense changer pour Action Mirilis, je sais pas si tu connais. Pour faire les rendus, soit je prends Camtasia ou Sony Vegas. Après, sur console, ça va être un HD PVR2. Et évidemment, bah, pour les logiciels de montage, ça va être pareil que pour les vidéos PC. Quoi. Ok. Tu vas nous dire si tu comptes te lancer dans un projet pour un certain nombre d'abonnés? Pour un certain nombre d'abonnés, pourquoi pas, je pense ça viendra plus tard, mais depuis le temps que j'ai envie de commencer, ce serait plus, pas sur un thème communautaire, mais sera des top 10 ou des choses comme ça, sur n'importe quel jeu, des trucs un peu délire, vous voyez. Et ça fait longtemps que j'essaie de me lancer là-dedans, mais ça marche jamais. Et puis voilà, quoi, faut que je fasse de la pub, faut que je demande des gameplays par-ci par-là, quoi. Ok, bah, ça va, je te remercie pour avoir accepté cette interview.
Et on va se laisser dessus et je mettrai tous les liens de enfin le lien de sa chaîne et, évidemment Voilà. dans la description pour que si vous voulez aller découvrir sa chaîne et tout ça, eh ben vous faites comme vous voulez et tout cela sera dans la description. Voilà.